Good morning, Alei. Dans l'étude sera aujourd'hui les Lunishvat Amram, Yona ben Chana, Peggy Batester, Nissim ben Aouda, Michael Novikov et Walter Israel ben Shmuel, et aussi Nerfouat Ruth bat Claudine Traina, et Simcha bat Masoudi Batoch Shar Chole Israël. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Edouyot, Perekalef Mishnah, Yud Dalet, Kli Cheres Matzil Halakol, Kedivre Bet Hillel, ou Bet Shamay Omrim, Eino Matzil, Ela al Ha'ochalin, Veal Amashkin, Veal Kli Chares. Amro Lahem Bet Hillel. Mipnema, Amro Lahem Bet Shamay, Mipne, Shehutame, Al Gav Amaharetz, Ven Kli Tame Chotzetz. Amro Lahem Bet Hillel, Veal Otiartem Ochalin Umashkin Shebetocho. Amro Lahem Bet Shamay, כשתיארנו אוכלים ומשקים שבתוכו, לעצמו תיארנו. אבל כשתיארת את הכלי, תיארת לך ולא. חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. Dernière משנה, dans laquelle on va voir que בית הלל se sont finalement pliés à la vie de בית שמאי, en parlant à présent d'un sujet assez nouveau pour certains. Il faut introduire plusieurs notions pour le comprendre, c'est le sujet de Touma Vetahara. On va parler de l'alchot de pureté et d'impureté, du mort, le Ohel Hamet. D'abord, quelques petites introductions, une notion qu'on a déjà évoquée dans ce perek, la notion du Ohel Hamet, la tente où se trouve le mort, c'est-à-dire le toit sous lequel, dès qu'on se retrouve sous le même toit qu'un mort, alors tout ce qui est dans cette maison devient impur, betumat, tumatmet. D'accord ? Avec l'impureté du mort, qui est la plus grave des impuretés, que pour se purifier, il faut asperger les cendres de la vache rousse pendant 7 jours, plus précisément durant 7 jours, le 3e jour et le 7e jour, on doit asperger Yodalachot, ça se trouve dans Masechet Para essentiellement, et dans ce Masechet Oalot. Voilà. Maintenant, donc ça c'est le Ohel Hamet, tout celui qui est dans la maison. Donc si par exemple on a une fourchette posée sur une table, lorsqu'il y a un mort dans la chambre, cette fourchette-là devient Tmea parce qu'elle est dans le Ohel Hamet, elle devient impure parce qu'elle est sous le même toit qu'un mort. Et il faudra donc la purifier en l'aspergeant le 3e jour et le 7e jour. Maintenant, il y a une halakha particulière pour le Kli Cheres. Mukaf Tzamit Patil. Un Kli Cheres, c'est un ustensile en argile. L'ustensile en argile, il a plein de particularités dans les Ilchot Touma Vetahara, dans les lois de pureté et d'impureté. Par exemple, il ne devient pas tamé lorsqu'on touche par l'extérieur, mais que lorsqu'on touche par l'intérieur. D'accord ? Ça, c'est pour toutes les Toumot. Même si moi, je suis impur, je touche un Kli. Si je touche un verre en argent, par exemple, je le touche extérieurement, tout le verre devient tamé. Mais si je touche un ustensile en Cheres, en argile, je le touche à l'extérieur, il est impur. Si je mets mon doigt dans l'intérieur, même si je ne touche pas à l'ustensile, il devient tamé. Ouais, le simple fait d'être dans l'air, entre les parois du Kli Cheres interne, donc ça le rend tamé. Maintenant, il y a moyen de bien fermer le Kli Cheres, c'est-à-dire, si le Kli Cheres, l'ustensile en argile, je le recouvre, et je scelle bien le couvercle que je lui ai mis. Donc c'est ce qu'on appelle qu'il est Mukaf Tzamid Patil. Il est encerclé, entouré par un tzamid, un couvercle qui est tzamoud, qui le bloque bien, et qui est patil en plus de ça avec un fil qui le fixe très bien. Alors là, l'ustensile en argile ne reçoit plus la touma, il ne devient pas tamé, même s'il est dans le Ohel Hamet. Pourquoi ? Parce qu'en réalité c'est le même principe, puisqu'on a fermé l'accès à l'ustensile et que le seul moyen de le rendre tamé c'est par la touma qui rentre par son ouverture. Donc puisque je l'ai fermé, il ne peut plus recevoir la touma. C'est une halakha particulière, mais mieux que ça maintenant. Si dans ce même ustensile en argile, il y a dedans, j'ai mis dedans un bonbon, j'ai mis dedans un ustensile même, un ustensile en fer, et j'ai fermé l'ustensile en argile, et ben ce Kli Cheres, je préfère dire le mot Kli Cheres, d'accord, habituellement Kli Cheres, c'est l'ustensile en argile, ça fait trop lourd pour moi, quoi. D'accord, je prends le Kli Cheres, je mets dedans de la nourriture, je mets dedans n'importe quel objet, et je le ferme convenablement, et ben puisque l'accès il est fermé, tout ce qu'il y a dans le Kli Cheres restera pur. D'accord. Ça c'était une autre introduction. Maintenant, on a déjà dit le premier sujet de l'introduction. Maintenant, deuxième sujet d'introduction. Ouais, on va parler maintenant
d'une halakha un petit peu délicate, qui est les halakhot du Khaver et du Amaharetz. Le Khaver, c'est l'ami. On appelle Khaver, qui est en fait un membre qui est... Ouais, en hébreu moderne, on utilise Khaver pour expliquer un membre de... En réalité, les Chachamim de l'époque, les Talmid Chachamim, les bons juifs, ils se définissaient, ils étaient les Khaverim. C'était comme si ils étaient des membres d'une Keïla, d'une communauté très restreinte de gens méticuleux sur la halakhot, par opposition à Maharetz, aux gens simples du peuple. D'accord ? Maintenant, quelle est la différence fondamentale ? C'est très simple. Le Khaver, donc le bon juif, qu'il fallait prendre sur soi une cheskat Khaver, il, lui, c'était quelqu'un qui veillait à tout ce qu'il avait chez lui, à se comporter avec les ilchot betahara, avec pureté, au même titre qu'il était en train de manger des kochim constamment, qui mangeait des sacrifices chez lui. Tout était altahara ta kodesh ou altahara ta truma. Tout était tahor. Tout était parfaitement pur chez lui dans sa maison. Et la nourriture avait des tas de halachot. À la différence du Amaharetz, du juif simple, qui veillait, lui, selon son point de vue, à respecter des l'ilchot tuma betahara. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui étudie pas la Torah comme il faut, eh ben il connaît pas la halachot. Et puis il pense bien faire et il fait très fréquemment le contraire exact de ce qu'il fallait faire. De ce fait, il y avait ici ce qu'on appelait les chaverim, donc les bons juifs, avaient beaucoup de distance avec les gens simples. De manière générale, ils n'empruntaient pas de chez eux de la nourriture, parce que même s'il n'y avait pas forcément des problèmes de kashrout, où il y avait moyen de surmonter les problèmes de kashrout, mais ils avaient des problèmes de pureté et d'impureté, parce que ce qui vient de sa maison n'a pas été bien préservé, pas par manque de bonne volonté, mais par manque de connaissance, de savoir comment vient se préserver. D'accord ? Donc ils n'utilisaient pas la nourriture qui venait de chez le voisin. Et lorsqu'ils empruntaient un ustensile, ça pouvait arriver, ils pouvaient emprunter un ustensile, ils allaient le purifier. Maintenant, de quelle manière ils le purifiaient ? Ils le purifiaient en le trempant en mikvé, parce qu'ils soupçonnaient que peut-être que le Amaharetz, cette personne simple, peut-être qu'en réalité il est zav, il a toutes sortes d'impuretés qu'il faut le tremper au mikvé. Mais ils ne soupçonnaient pas que l'objet était impur par un ohel amet. Qu'il était devenu impur parce qu'il a été en contact avec un mort. Parce que quand il y a un mort, on le sait, et en général, ce qu'il y a chez lui, c'est pas impur. Donc on croit le Amaharetz pour nous dire, en théorie, on devrait le croire pour nous dire que ça n'a pas été impurifié par la Touma du Ohel Hamet, d'être à proximité du mort. D'accord ? Dans le même toit que le mort. Une seconde. Voilà, je crois que j'ai introduit toutes les notions. Ah, la dernière petite notion maintenant, c'est celle qui va faire le lien entre les deux introductions. Donc, je répète. On a parlé du Ohel Hamet, la tente du mort, en expliquant la particularité du Kli Cheres et de ce qu'il y avait dedans. Ouais. On a parlé maintenant de la difficulté d'emprunter des objets du Amaharetz, du juif simple, parce qu'on va se retrouver à faire entrer un ustensile dans notre maison qui est impur, alors que chez nous on est très méticuleux à tout garder Betahara. Et maintenant, j'ai oublié, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, une notion très importante. Le Kli Cheres, l'ustensile en argile, donc, on avait dit que tout ce qu'il y a dedans ne devient pas impur, mais c'est qu'à condition que cet ustensile il soit pur. Mais si cet ustensile il est impur, alors il ne fait plus écran pour empêcher la touma de pénétrer. De manière générale, c'est une notion qu'on retrouve dans tous les endroits. Chaque fois qu'on va utiliser des kélim, des ustensiles, pour empêcher à une touma de passer d'un endroit à l'autre, par exemple il y a une fenêtre entre deux pièces et il y a un bord dans l'une, on va vouloir boucher la fenêtre, et ben on ne pourra pas utiliser des ustensiles qui sont impurs. On pourra fermer la fenêtre avec des ustensiles purs qui ne vont pas prendre impureté. C'est assez complexe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, de manière générale, ce qui est impur ne peut pas faire écran. De ce fait, je reviens sur mon ustensile en argile, sur ce Kli Cheres. On avait dit que si j'ai un bonbon dedans, le bonbon il est resté pur si l'ustensile était bien fermé, mais c'est à la condition sine qua non que le Kli Cheres soit pur, parce que s'il est impur, tout devient impur. Et maintenant, on va entrer dans notre Mishnah et découvrir une machloquette entre Beit Shammai et Beit Hillel. Kli Cheres Matzil al hakol. Un Kli Cheres, un ustensile en argile, Matzil al hakol, s'il est bien fermé, il est tsamid patil, il est bien fermé comme il faut, il Matzil, il sauve al hakol, pour tout ce qu'il y a dedans. Kedivrei Beit Hillel, comme est l'avis de Beit Hillel. D'accord ? Et c'est une halakha très vraie, sauf que dans ce cas particulier, ça va être un peu différent. D'accord ? D'une manière générale, un ustensile en argile préserve tous les objets qui sont ustensiles, nourriture, qui pourrait être dedans. Imaginez que c'est un grand Kli Cheres et qu'on a mis dedans un objet, un petit Kli Cheres, une cuillère en inox,
Eh bien, le Kli Cheres la protège, tel est l'avis de Bet Hillel. Et Bet Shammai Yomrim, Eno Matsil, Ela Al Ha'Ochalin, Vala Mashkin, Val Kli Cheres. Selon Bet Shammai, ce Kli Cheres ne protège que la pureté de la nourriture, des boissons qui pourraient être dedans, ou même s'il y a dedans un autre Kli Cheres, un autre ustensile en argile. Mais par contre, c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est que le Kli Cheres ne va pas protéger s'il y a dedans une petite cuillère en inox, en fer. Eh bien, le Kli Cheres, même s'il est bien fermé, il ne va plus protéger dans l'Ohel Hamet. Donc en fait, Bet Shammai sont venus et nous ont dit quelque chose de très bizarre. Au milieu, ça rend impur, mais pas complètement. Ça protège, mais pas complètement. Ça protège face à la nourriture et face aux boissons. Donc, si c'est de l'huile, par exemple, ou du vin, si c'était bien couvert, ça protège. Ça protégera un petit ustensile en fer, en Kli Cheres qui est dedans, mais ça protégera pas un ustensile en métal. Ça le protégera pas. On comprend pas pourquoi. Et c'est justement la question de Bet Hillel. Amroulahem Bet Hillel Mipnema. Bet Hillel, nous sommes venus et on dit, mais pourquoi? Je comprends pas. Dans la Torah, il y a Vechol Kli Cheres, Asher Ye, Vechol Kli Patuach, Asher En Tzamid Patil Alav. C'est marqué dans la Torah que dès qu'il y a un Tzamid Patil, dès que le Kli Cheres il est bien couvert, il protège tout. Pourquoi tu fais? C'est quoi cette histoire de faire à moitié-moitié? Amroulahem Bet Shammai ont expliqué à Bet Hillel, Mipnei Shehu Tame Al Gav Am Haaretz. Bet Shammai répond à Bet Hillel et leur dit: non, tu sais pourquoi j'enseigne que le Kli Cheres ne protège pas pour les ustensiles en métal qui seraient à l'intérieur, mais juste pour la nourriture? Pour la simple raison que ce Kli Cheres, il est déjà tamé, puisqu'il vient d'un Maharetz, d'un juif simple qui connaît pas bien l'air à la faute. Mais Peneshi Utame, Al-Gava Maharetz, il est déjà tamé à cause du Maharetz. Un Maharetz, c'est un juif simple du peuple. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un ustensile impur ne peut pas être chotzetz, ne peut pas faire écran et empêcher la touma de pénétrer à l'intérieur, puisque l'ustensile est impur, même si tu le recouvres, la touma pénètre malgré tout pour rendre impur ce qu'il y a dedans. De ce fait, c'est pour ça que je te dis que lorsqu'il y a dedans une petite cuillère dans le Kli Cheres, même si le Kli Cheres est fermé, la petite cuillère devient tmea. Amroulahem Bet Hillel. Alors Bet Hillel en rétorque à Bet Shammai, on dit mais je ne comprends pas. Alors pourquoi est-ce que vous permettez la nourriture et les boissons qui pourraient être dedans? Toi, Bet Shammai, tu me dis que tu soupçonnes que l'ustensile, le Kli Cheres, est peut-être tamé. Et c'est pour ça que s'il y a dedans une petite cuillère, la petite cuillère va être tméa. Mais pourquoi alors dans ce cas-là, le bonbon qu'il y a dedans, tu vas pas dire qu'il est devenu tamé? Toi, tu as été métaher le ochel, la nourriture qu'il y a dedans. Ou le mashke, ou s'il y avait dedans, il avait servi un verre de vin qu'il avait refermé. Tu le rends taor, mais tu te contredis, Bet Shammai. C'est tamé ou c'est taor? Amroulahem Bet Shammai. Bet Shammai ont expliqué à Bet Hillel, mais non. Kshetiarno chalinu mashkin shebetocho. Lorsque je t'ai dit, lorsque j'ai enseigné que la nourriture et les boissons qu'il y avait dedans, pour qui je les ai permis? Pour qui j'ai dit qu'ils étaient purs? Leatzmo tiarno, pour le Amaretz. Lui, de toute façon, le Amaretz, le pauvre, il pense bien faire, mais il fait tout à l'envers. Il connaît pas la Torah, il étudie pas la Torah. De ce fait, de toute façon, lui croit qu'il fait Taor, Tamé, donc à lui, je lui dis, écoute, c'est bien. C'était dans un ustensile en Kli Cheres, un ustensile en argile, c'est bon. Il était fermé, tu penses qu'il était propre, qu'il était pur, l'ustensile, ce qu'il y avait dedans était protégé, il n'y a pas de problème, je te permets de le rendre pur. Mais lorsque tu vas vouloir permettre la petite cuillère qu'il y avait dedans, dans ce Kli Cheres, l'objet en métal qu'il y avait dedans, tu te rends compte de la catastrophe? Toi, Bet Hillel, que tu veux le rendre pur, tu vas le rendre pur pour toi et même pour lui. Soit toi aussi, peut-être demain, Bet Hillel, tu vas te retrouver dans une situation où tu auras besoin d'une petite cuillère, d'un couteau. Et tu vas aller demander, taper chez ton voisin le Amaharetz, le juif simple, et lui dire, t'as pas une cuillère à me prêter? Il va te la prêter. Maintenant, bien sûr, toi, Bet Hillel, t'es méticuleux, tu vas vite partir le trempeau au Mikvé. Mais tu te rends compte de la bêtise? Si cette petite cuillère, elle était dans le Ohel Hamet, en réalité, il ne faut pas la tremper au mikvé. Il faut lui faire la hazaa, l'asperger avec les cendres de la vache rousse et le mélanger à l'eau pendant les 7 jours, le 3e, le 7e jour. C'est de la chose très complexe. Donc si tu vas commencer à permettre, à dire que non, le Kli Cheres, l'ustensile en argile, il est bien fermé, tu vas t'apporter à toi une catastrophe. Parce que lorsque tu vas emprunter la petite cuillère, de manière générale, on avait dit, quand on avait introduit,
que lorsqu'on emprunte un objet dans la maharet, on le trempe au mikvé, on l'utilise. Mais tu te rends compte que là, ça ne suffit pas de tremper au mikvé, il va falloir l'asperger pendant les 7 jours pour avec la tara de la vache rousse, les seins de la vache rousse. D'accord ? Donc, ça, je ne vais pas pouvoir le permettre. La seule chose que je permets, c'est la nourriture qu'il y a dedans, puisque de toute façon, un chaver, un bon juif, n'emprunte pas de la nourriture d'un maharet, d'un juif simple. Parce qu'il sait pertinemment qu'il ne sait pas préserver bien les lois de Touma Betahara, et donc ce qu'il va faire rentrer chez lui, ça va être tamé. Donc il ne va pas le faire rentrer chez lui. Ça va être impur. Ouais, il ne va pas le faire rentrer chez lui, la nourriture. Donc dans ce cas-là, laisse le Amarès croire qu'il fait bien, parce que de toute façon, si tu vas lui dire de tout tremper chez lui, ou de jeter, ou de quoi que ce soit, parce que c'est devenu impur, de toute façon, il ne va même plus te croire à la fin, et il ne va plus rien faire. Alors laisse-le au moins, ouais, ça s'est rapporté dans le Barthénora à la fin. L'Oyo Amaretz Mekablin même, l'Amaretz n'aurait pas accepté que tu rendes tout tamé. Donc il vaut mieux que tu lui dises, écoute, la nourriture qu'il y a dedans, les boissons qu'il y a dedans, les clichérès, c'est taor. Si toutefois il y avait dedans un objet métallique, alors, ou même en bois, alors dans ce cas-là, il faudra lui faire la haza, il faudra l'asperger. Et ça, le Amaretz, il ne va pas tellement comprendre pourquoi, mais c'est pas grave, de toute façon, il ne comprend rien à la très précise, parce que pour lui, faire la Torah, c'est faire vraiment à peu près, plus ou moins, ça se maintient. Ouais, dis-lui que les ustensiles, même si c'était protégé dans un ustensile en argile, dis-lui que l'ustensile, malgré tout, il n'a pas pu faire écran pour protéger les objets métalliques qui étaient dedans. Comme ça, les objets métalliques, il va aller les asperger. Et si demain, tu vas être amené à emprunter du Amaretz, tu ne vas pas te retrouver avec une cuillère qui est Tmea. Qui est Tmea, tout matmet. Tu vas juste aller la tremper au mikvé, c'est tout, pour craindre ça. Donc voilà pourquoi moi, Beth Shammai, je me suis dit, et j'ai dit, qu'on pouvait rendre, accepter, purifier, dire que la nourriture et les boissons qui sont dedans sont taor, tandis que les objets métalliques qui sont dedans, ils sont tmeim. Vechazro, Beth Hillel, les horot, que dit vrai Beth Shammai, et Beth Hillel ont finalement se sont pliés et ont reconnu la vie de Beth Shammai et ont enseigné que la halakha était comme Beth Shammai. J'espère que vous avez compris, c'était pas évident, c'était des notions, on a véhiculé beaucoup de nouvelles notions, peut-être chez certains, mais c'était assez compréhensible. Bon, je crois que c'était bien présenté, il me semble. Et c'est tout, je vous souhaite une bonne journée, et Kol Tov, c'est là.